aujourd'hui, je vais vous présenter le fondant au chocolat. Donc, il vous faut 100 g de beurre, 205 g de chocolat, 50 g de farine, 4 œufs, 100 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. Donc, vous allez prendre le chocolat, mettre le beurre et on va mettre 2 minutes au micro-ondes pour qu'il fonde. Alors faites attention surtout que ça ne brûle pas. Donc en attendant, on va mettre les 4 œufs. On fait bien attention de ne pas mettre de coquilles. On va mettre le sucre et le sucre vanillé. On va tout tourner, tout mélanger et faire blanchir. Donc vous laissez blanchir un peu, mais ça ne blanchira pas complètement. Après, vous mettez la farine et vous retournez bien. Donc vous sortez du micro-ondes le chocolat et le beurre, vous le tournez pour que ça fasse que vous incorporez le beurre et le chocolat. Que ça fasse un bon chocolat. Voilà le chocolat. Là, vous allez l'incorporer directement dans votre préparation d'œufs et de farine. Voilà. Et vous retournez bien. Ah, voilà. Votre préparation pour le fondant au chocolat est prête. Vous allez prendre votre moule ou préalablement vous l'aurez beurré et moi personnellement je mets du papier sulfurisé. Donc vous versez votre préparation dedans. Donc on met bien la préparation dedans. Donc préalablement, vous aurez préchauffé votre four à 200 degrés. Voilà. Et là, vous allez enfourner pour 10 à 15 minutes dans votre four le gâteau. Voilà le résultat du fondant au chocolat sorti du four.
Vous inquiétez pas, n'essayez pas de planter un couteau dedans pour voir s'il est cuit ou pas. Un fondant au chocolat, ce n'est pas une, c'est une pâte mouillée. Donc, quand on plante le couteau, il ressort avec de la matière. Donc, on attend bien qu'il refroidisse et après, on peut le démouler. Voilà, votre gâteau est froid maintenant. On peut le démouler. Donc, si vous avez un peu peur, vous passez le couteau tout au bord pour bien le décoller et vous le retournez. Comme j'ai mis le papier sulfurisé, normalement, il se décolle. Donc, vous voyez. Là, vous avez juste à enlever le papier sulfurisé. Et voilà. Et voilà le résultat du fondant au chocolat. Bon appétit!